Avant de commencer, j'ai un petit truc à vérifier. Comment se prononce le nom de l'actrice de Squid Game? Coucou! Aujourd'hui, j'ai décidé de recréer les outfits de l'actrice de la série Squid Game, donc Ho Yeon Chung. J'espère que je le prononce bien. Donc comme tout le monde, j'ai kiffé Squid Game, je trouvais que c'était une super bonne série. Et donc après avoir vu la série, je suis partie sur son Insta et j'ai trouvé que elle était trop belle, s'habillait trop bien. Elle était mannequin avant de faire la série et j'ai vu, il y avait plein de belles inspo. Je me suis dit, oh ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, tu vois. Genre les Bella, Kendall, même si j'aime aussi. Hein. Mais c'est cool un peu des fois d'aller voir ailleurs. Du coup j'ai sélectionné 6 tenues en tout. Voilà quoi, on va refaire tout ça. Mais avant, je me suis dit, et si on rajoutait une petite étape à la transformation en Ho Yeon Chung avec un petit ravalement de façade, parce que comme vous pouvez le voir, je ressemble à rien. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas aller voir la vidéo qu'elle a fait pour Vogue il y a 6 ans, je crois. Et voilà, c'est parti. Je vais vous poser à un meilleur endroit. On dirait qu'il fait nuit, mais je vous jure, il fait jour. Regardez, c'est juste la météo est dégueulasse. Du coup, j'ai mis une lampe. Je me munis de mon téléphone. La pub! Trop bien! Du coup, c'est trop cool. La vidéo, elle dure 1 minute 50. Ça va être vite fait. Bien fait. On y va. Du coup, pour la skincare, j'ai pas du tout ce qu'elle a. Mais sinon, je préfère prendre les trucs que j'utilise déjà. Petite skincare! J'espère juste que je vais réussir à terminer cette vidéo avant la nuit. Elle fait aussi beaucoup de massages dans la vidéo. Elle se masse les sourcils. Et se masse aussi là. Petit baume à lèvres. Waouh. So YouTubeuse 2016. Enjoy Phoenix Story Pierre. Ensuite, petite crème hydratante. Donc vraiment, il y a trois étapes. Elle fait concealer, sourcil, recourbe cils et c'est pas beaucoup, mais c'est bien. J'en ai un peu là. Du coup, je stompe. Sourcil, recourbe cils. Punaise, je fais jamais le recourbe cils. J'ai l'impression que ça m'arrache tous mes cils à moi. Mais je pense que c'est parce que j'ai un recourbe cils de qualité, vraiment. Combien de temps vous laissez un recourbe cils? Moi, je sais pas, je compte. Genre juste 4 ans. C'est sympa quand même. Et l'autre œil. Il n'y a pas à être une drama comme moi. Je vais quand même mettre du mascara parce que c'est fun, c'est cool. Et ensuite, elle met un mouchoir. Ensuite, elle met un marron comme ça, enfin rosé un peu, j'en ai pris un. Qu'elle met partout, trop mimi. Et ensuite, au milieu, elle met du rouge à lèvres rouge. Donc, je vais en mettre un tout petit peu. Elle met vraiment à l'intérieur. Je sais pas du tout si je le fais bien. Oula. Bon, voilà, ça change. Hein. Pas de blush, rien. C'est pas grave. Voilà le résultat. Et voilà à quoi servent les sopalins en fait. Enfin, c'est pas du sopalin ça, mais bref. Ok, maintenant on passe à la partie la plus intéressante, les outfits. Du coup, on y va. Donc, je regarde dans mes sauvegardés sur Insta. Tous les vêtements que j'ai sélectionnés sont là et ils viennent tous soit de ma garde-robe, soit de Vinted. Et j'ai vraiment payé pas ça cher. Je vous dirai les détails au fur et à mesure. Ok, on va faire un premier outfit mimi simple, efficace. J'ai essayé de prendre les outfits où elle a des tenues de magazine, quoi. Donc, elle porte un petit cardigan bleu trop beau avec. On voit surtout en fait les boutons. Et du coup, c'est surtout à ça que j'ai fait attention. En dessous, il y a une petite chemise avec le col remonté. C'est pas du tout mon style. Enfin, j'ai jamais porté ça. Mais j'ai quand même joué le jeu, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite il y a un petit jean, des petites baskets, petit sac, je pense c'est un Céline aussi. Bon moi ce sera pas un Céline hein. Et sur quelques photos elle porte aussi un serre-tête. Et il est trop beau d'ailleurs son serre-tête, je le veux. Alors moi il y a un jean que j'ai chiné sur Vinted, 1€. Et je trouvais qu'il ressemblait, c'est un peu la même couleur. Parce qu'en fait moi je trouve que j'ai pas assez de jeans dans ma garde-robe. Enfin qui me vont bien, qui sont assez grands et tout. Du coup voilà, j'ai acheté celui-là, je vais le mettre. N'oublie pas de fermer ta braguette Léa. Voilà, je suis trop contente, en plus je l'ai payé archi pas cher. Le sien c'est vrai, il est un peu plus droit. Je pense il tombe pas de ouf sur ses pieds. Mais c'est pas grave, je trouve quand même qu'il est ressemblant. Et du coup pour le haut, on va partir sur ça et ça. On a le petit cardigan que j'ai payé 9€ sur Vinted. Les poches elles sont pas au même endroit. Mais je trouve que le principal c'est vraiment qu'on voit les boutons. Et c'est vraiment le même esprit quoi. Et en dessous on a la chemise avec le col monté.
longtemps, qui a coûté 1€. Bah, j'ai essayé de prendre le moins cher possible. Bah, vu que c'est pas du tout mon style, j'ai dit vas-y pour essayer. Mais je pense que ça pourrait faire cute. Donc vas-y, je vais enfiler ça. Donc voilà, ça fait ça. Je sais pas si on voit. Ah si, elle laisse les manches un peu sortir. Ensuite, pour les chaussures, elle a des petites baskets blanches Adidas. Moi, je vais prendre plutôt mes Nike parce que j'ai pas les mêmes. De toutes les façons, baskets blanches. Hein. Et pour le sac, la dernière étape de la tenue, je prends mon sac Coach, que je trouve ça fait un peu la même vibe. Bon, son sac à elle, il est beaucoup plus petit. C'est un sac à bandoulière, mais bon, je trouve ça cute. Moi, je trouve ça cute, en fait. Hein. Genre, vraiment, si j'ai envie un jour d'être une go classique, chic, je mettrai ça. Parce que franchement, c'est mignon. Et en plus, le look, il est cassé avec les baskets. Petit détail, des manches, de la matière du pull et de mon sac. Mon sac aussi mérite. On le regarde en détail. Il y a beaucoup de tenues que j'ai sélectionnées avec des jeans et on va rester, j'ai l'impression que c'est un truc qu'elle porte souvent. Je vais rester avec le même jean et je vais faire le deuxième look simple et efficace. Enfin, petit pull rouge et petite veste rouge. J'ai l'impression que c'est une veste en jean. Enfin, elle a l'air d'être en tissu et moi je me suis dit, je pense pas remettre une veste en jean assez souvent, une veste en jean rouge surtout. Et du coup je me suis dit pourquoi ne pas faire le même look mais avec une veste en cuir rouge plutôt qu'une veste en jean rouge. Du coup c'est sur ça qu'on va partir et aussi en dessous avec le pull rouge pour pas investir dans un pull rouge. Je ne sais pas si je vais le remettre. Et ben, j'ai préféré prendre un pull sans manche qui était déjà dans mon placard. On va voir ce que ça donne, je vous montre ça tout de suite. Ah et les chaussures aussi, c'est des Adidas. Pour les chaussures, ma sœur elle a les mêmes et du coup l'outfit il va être cool je pense. Voilà le résultat de la deuxième tenue. J'aime toutes les pièces. J'ai retourné finalement le pull sans manche pour que ça fasse le même effet, vous voyez. Enfin, de colvé quoi. Bah, ce qui était cool dans la tenue qu'elle avait, elle, c'est que c'était le même rouge. Alors que moi, c'est pas exactement les mêmes. Ce rouge-là, il est plus vibrant que celui-là. Du coup, je sais pas si ça rend aussi bien qu'elle. Après, le reste de la tenue, bah, c'est cute. Les baskets, elles sont belles. Rien à dire. Trop petite pour moi, par contre. Hein, mais bon, c'est ça d'avoir des grands pieds. J'aime toutes les pièces séparément, mais ça et ça ensemble, je pense que c'est pas une bonne idée. Sinon, j'adore cette veste en cuir. J'ai payé 9€. Donc, vraiment, je suis pas déçue du tout. Donc, voilà. Petit close-up. Regardez la veste. Elle est comme ça de près. À la lumière, avec cette lumière, non, on voit quand même que c'est pas le même rouge. Voilà, elle est trop cool cette veste. Ah, elle a des lunettes de soleil aussi. Attendez, je vais en chercher. J'ai rajouté avec les lunettes de soleil. Ça change un peu rien. Enfin, c'est pas exactement les mêmes. On peut passer pour de vrai à la prochaine tenue. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross the street living large. Prochaine tenue, c'est parti. J'ai choisi cette tenue-là. Donc là, elle porte un petit trench, un peu de taupe, court, un t-shirt beige, jean pareil, et sandiac cette fois. Et petit sac crossbody et petite lunette de soleil. Du coup, je vais mettre cette petite veste que j'ai eue sur Vinted. C'est une mime. Bon, pas fan, mais je me disais que la couleur ressemblait vraiment à celle de la photo. On va voir ce que ça donne, le look. C'était le look que j'appréhendais un peu. Parce que sur elle, ça lui va super bien. Mais moi, est-ce que je vais aimer remettre ça? Telle est la question. Et en dessous, je vais mettre un petit t-shirt beige que j'ai acheté je crois il y a 2 ans à Pull&Bear. Voilà déjà ce que ça donne. Et pour les chaussures, attendez de voir les beautés, les Santiago, elles sont trop belles, marron. Je les ai payées 12€, ça fait longtemps que je voulais des Santiago mais j'en avais toujours pas acheté et du coup voilà, je les trouve trop cool. Je pense que ça fera super beau. Je mets le petit sac et voilà le look final. Je trouve ça fait super automnal. Je trouve ça mignon, vite fait. Je trouve heureusement qu'il y a les Santiago, le sac et tout ça, ça fait vraiment moderne. Même le jean en grande taille, ça rehausse la tenue. Ah, les lunettes, j'ai oublié les lunettes. Voilà les lunettes. Donc, sur une des photos, elle a les lunettes. Voilà ce que ça donne avec les lunettes. Petit close-up. J'ai l'air si blanche par contre, c'est incroyable. Regardez le sac, il est trop beau, j'aime trop. Tara, tara. Les chaussures. Hop là. On passe à la prochaine tenue, c'est parti. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross the street living large.
prochain look. Ça y est, c'est fini avec le jean. Vous en aviez marre. Et ben ça y est, c'est fini. It's time. On va passer à cette tenue que je trouvais trop cool. C'est un ensemble de tailleur jupe blazer avec des grosses bottes, t-shirt blanc, simple et efficace. Après, sur la photo, elle a plusieurs lunettes de soleil différentes. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est cet ensemble tailleur jupe. Donc là, il y a une jupe. La veste, voilà, le principe d'un tailleur. Et je l'ai payé 10€ sur Vinted. Avec ça, j'ai ce t-shirt blanc Zara que j'ai depuis 2 ans. Et les chaussures, ça va être des petites Doc de chez Stradivarius que j'ai acheté pareil, oui, il y a 2 ans. Voilà la tenue finale portée. Je trouve que c'est beau. Bon, ça fait très grande dame. Hein. Là, on dirait, je suis prof d'histoire grunge, comme a dit ma soeur, parce qu'il y a les baskets. La jupe, elle est un peu ouverte. Du coup, j'ai mis un legging en dessous. Sur elle, c'est trop beau. En tout cas, sur moi, je sais pas. C'est un peu sympa. Après, c'est cool. J'avais pas de jupe noire comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Petit close-up, pareil, comme là. Regardez le détail. À la prochaine tenue, il en reste que 2. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross the street living large. Pour la prochaine tenue, je vais partir sur ce look là. Donc elle a fait un ensemble, elle a un jogging et un trench de la même couleur, ça fait beige beige et je trouvais ça trop stylé. J'ai décidé de prendre un trench que j'avais déjà, j'ai un trench vert et pas beige. Et du coup j'ai pris un jogging vert pour qu'on soit sur le même principe. Donc ça va être le même look mais version vert. Et avec des petites baskets Adidas, un petit haut en dessous beige ou blanc, je sais pas trop. Moi pour le pantalon, je vais prendre ce jogging qui est vert, qui est à ma soeur, qui vient de chez Asos. Et avec ça je vais prendre mon trench Burberry que j'ai acheté sur Vinted. Et pour les chaussures, les baskets Nike que j'ai mis au début. Tadam ! Voilà le look final. Donc c'est pas exactement les mêmes verts. Après je sais pas si vous trouvez que ça ressort bien. En vrai les deux verts ça va. Je pense que si j'aurais mis un haut blanc, ça aurait été mieux que le haut beige. Après elle aussi elle le porte fermé hein. Je trouve les deux verts ensemble c'est pas si moche avec les petites baskets et tout. Après peut-être changer le haut. Petit close-up du coup. Mon petit trench, hop là. Petit pantalon, petit jogging. Il est super cool ce jogging, super large. Trop confortable. Basket, pareil. Du coup, prochaine tenue et la dernière. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross the street living large. Prochain outfit et pas des moindres, on part donc sur cette tenue où elle porte une robe en velours noir. Le col il est un peu rond, j'ai trouvé une robe mais pas le même col. Elle a un top bandana en dessous. Moi j'avais commandé, j'en avais trouvé un exactement pareil sur Vinted à 4€. Je l'ai acheté direct, j'ai dit vas-y c'est bon. Sauf qu'au final la fille me l'a jamais envoyé, du coup j'ai dû trouver par moi-même. Je vais vous montrer, elle a aussi un grand cabane noir. Donc moi j'ai pris un truc qui ressemble un peu. On va partir sur cette robe. Donc la robe je l'ai payée 3€. Elle est trop belle je trouvais. Le col, il est... Enfin, c'est un col V. Et en dessous, pour faire un peu toujours la vibe noir et blanc, c'est pas du bandana quand même, quoi. Mais je trouve que ça fait pareil. Ça vient de chez Stradivarius. Je l'ai payé, je crois, 12€. Et pour les chaussures, je vais partir sur les Doc. Parce que je pense que c'est ce qu'elle aurait fait en vrai. Donc c'est parti, je me change, je vous montre ça. Tada ! Je vous ai dit, hein, très grande dame, là. Et pour le sac, j'aurais pris ce cabas. Après, il n'est pas exactement pareil, il n'est pas aussi long. Bon, elle, il a l'air plus plat, mais ça fait quand même gros sac. Son sac, il est gros. Le mien aussi. Donc, on est sur la même vibe. Je vous fais un petit close-up. Donc, voilà un peu de près ce que ça donne. Le sac, il est comme ça. Voilà, cette vidéo s'arrête ici. J'espère que les looks vous ont plu. Dites-moi c'était quoi vos looks préférés. En vrai ça c'est pas si moche, hein, c'est mignon. J'aime bien le premier look, le look avec les jeans, les vestes, c'est vraiment mes looks préférés. Et les grosses bottes, même son maquillage. Enfin après la vidéo elle est un peu vieille, je crois qu'elle date d'il y a 5 ans, 6 ans. Bon c'est super simple, hein, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit ah ouais c'est tout. Parce que genre moi d'habitude le blush tout, c'est quand même mignon. Genre les lèvres ça fait tout en fait. Dites-moi si jamais vous voulez que je fasse
une autre star en particulier. Et je pensais aussi à faire des personnages de fiction, mais je ne sais pas qui encore. Tu vois, je me suis dit Ho Young parce que c'est l'actrice de Squid Game et que elle est trop fraîche quoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, plutôt je sors une vidéo tous les mercredis. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, liker les autres vidéos aussi si elles vous ont plu. Et voilà, je crois qu'on en a fini. Hein. Je crois que vous êtes débarrassé de moi là, c'est bon. On peut se quitter. J'espère que vous êtes contents, hein. Je sais, vous en avez marre. Une seule question avant de partir. Dites-moi maintenant, dites-moi qui va ranger tout ça. Et ben ouais, personne va m'aider bien sûr. Bisous.